m'a renvoyé mes affaires et il y avait une culotte rouge de pute. Qui? Ben, François. Je pense que t'es mieux pour une vraie rencontre constructive. Mais c'est comme si la ville était vide et qu'on soit les deux seuls êtres vivants, quoi. J'ai pas le choix. Avec Serge, ça donne quoi? Ben... c'est comme avec François, mais c'est pas François, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont les mettre où, les manteaux, tes clients? Ah oui, c'est vrai, t'as raison, ça. J'avais pas pensé. D'abord, c'est pas des clients, c'est des patients. Tu sens pas un petit ressort, là, gênant, dans le dos? Tu sens pas un truc qui rebique? Ouais. Tu vois? T'as rien senti? Parce que tu comprends, ils pourront pas faire leur transfert, leur contre-transfert, s'ils ont un ressort comme ça dans le dos. Non, mais attends, il n'y a pas un ressort, il y en a 12 000, c'est un trampoline. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Non, c'est du travail, Michel, quand même. Arrête, s'il te plaît, hein. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des mecs qui viennent et qui parlent pendant toute la séance? Pourquoi tu me dis une chose pareille? T'es folle? Oh, tiens, j'ai une bouffée, là, de ce que tu viens de me dire. Oh, je le sens. Il va venir se vautrer sur mon divan tout propre, rien dire, et plus jamais revenir. Oh, c'est lui. Oh, c'est lui, c'est mon premier patient. Dis-moi merde. Merde. Ouais, je le croise et je dis merci. Non, tu le croises pas, tu remontes. Si, je crois, je souris. Tu remontes, tu remontes. Michel, tu reviens. Non. Chut, rentre. Oh. Tu bouges pas. Bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Delabrune. Oui, c'est moi. Mademoiselle Lévesque. Bonjour. Mademoiselle. C'est Mademoiselle Lévesque. Qu'est-ce que vous faites là? Votre rendez-vous? Samedi 18h. Merci. 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 Au revoir. Monsieur.